la presse parler, presse écrite, presse télévisée, médias en ligne qui là. Je m'a salué internet pour eux, m'a salué tous les compatriotes qui sont dans la diaspora. Conférence matin, il est inscrit dans un cadre pour nous capables de dénoncer d'abord le comportement du ministère de la, du ministre de la Justice, en l'occurrence de M. Carlos Ekil. Carlos Ekil, que nous connaissons, c'est un technicien en droit, c'est un avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, ancien président de la Fédération des barreaux d'Haïti, ancien vice-président du conseil électoral. Ça veut dire, pour moi-même, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un monde qui a ramassé. C'est un monde pour moi qui a une dimension. Ça veut dire, c'est un monde qui est capable d'assumer tout acte que le commet. Et tout acte qu'il fait, c'est des actes réfléchis, c'est des actes intentionnels, c'est des actes qu'il prend d'abord sous responsabilité. Ça, on a dénoncé là. On a dénoncé jour qui était jeudi, qui était 18 à 19 septembre, côté M. Carlos Ekil, ma instruction pour la police, la justice, pour soi-disant bâti la justice, pour le ministère de la justice, a fait perquisition la caille président Jovenel Moïse. Or, nous connaissons, c'est vrai nous-mêmes, nous sommes des militants avisés qui gardent, qui capables suivre Bagayo de fond en comble. Nous connaissons, nous parler avec des grands avocats, nous connaissons qui ça. Ça veut dire, qui ça veut dire, lorsque un dossier sorti dans le parquet et dossier ça transféré par devant le cabinet d'instruction. Automatiquement, un dossier qui était dans le parquet, il est transféré avec réquisitoire au commissaire gouvernement dans le cabinet d'instruction, le parquet est dessaisi. Parquet dessaisi. Et si le parquet est dessaisi, le ministère de la Justice pas qu'à intervenir encore dans le dossier ça, parce que parquet est sous l'obédience du ministère de la Justice. Ça veut dire que toute instruction, tout l'ordre, tout travail, tout ce qui est pour faire dans le dossier, si le ministère de la Justice concerné, c'est pendant le dossier nommé parquet de Port-au-Prince. Or, voilà que nous gagnons le dossier ça, quand le président Jovenel Moïse, qui sous-scellé. Automatiquement, pour qu'elle voie le dossier par le cabinet d'instruction, c'est là maintenant qui vient sous juridiction cabinet d'instruction. C'est le juge d'instruction maintenant qui vient prendre charge, maintenant qui est habilité, soit prendre décision si pour aller dans CELEA, ou dis-moi si pour maintenir CELEA, c'est le juge d'instruction. Mais le ministère de la Justice, parquet de Port-au-Prince, pas habilité encore pour aller sous scène de crime. Ça nous vient rendre compte, pendant le gouvernement ça a monté, il n'y a pas dans Jovenel à faire justice pour Jovenel Moïse. Ok? Il a décidé, maintenant, puisque il a rendu compte que des gens jusqu'à présent qui ont parlé de Jovenel Moïse, eh bien, le ministre, par instruction, débarqué, quand Jovenel, il a remorqué la machine Jovenel, il a remorqué la machine Martin Moïse, il a remorqué toute machine. Tout le monde qui était dans la cour. Ça veut dire, le ministre envoyé à suivre la scène de crime, à effacer l'indice qui a gagné dans l'espace là, dans l'espace dans le crime. Parce que nous connaissons, même lorsque le juge d'instruction a remis l'ordonnance, l'ordonnance arrive dans le coup d'appel. Coup d'appel, il y a une mission. Automatiquement, dossier dans le coup d'appel, mission coup d'appel, c'est une réinstruction de l'affaire. Ça veut dire, il y a une réinstruction. Les gens qui portent plainte, les gens qui portent affaire devant le coup d'appel, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ordonnance. Premier juge d'instruction, ils portent affaire devant le coup d'appel. Ça veut dire, coup d'appel qui a décidé lui-même,
transporté sous scène criminelle encore pour aller chercher indice. En dehors coup d'appel, même lorsque coup d'appel t'a venu vos côté, il vient rendre ordonnance, lui vient rendre arrêt. Coup d'appel t'a venu rendre arrêt. Maintenant, il t'a voué mon à juger. Ça pas habilité mon ni juge là ni ministre là, ça pas habilité ministre là. Il pas habilité commissaire gouvernement pour lever celle-là. Vous comprenez pour qui ça? Parce que tribunal criminel qui peut aller pour siéger, pour juger criminel Jovenel Moïse, moun qui participe, les présumés assassins de Jovenel Moïse, tribunal criminel là qui a estimé nécessité pour transporter tribunal là sur lieu de crime. Dans le cas d'indice qu'elle a cherché, dans le cas de preuve, dans le cas de conviction, il y a des bagages qui ont été faites, la conviction n'est pas faite. Il estime des carences de preuve, eh bien, le juge l'a transporté, le tribunal là, chambre criminelle là, transporté sous les lieux. Ça veut dire, c'est quand le jugement ça a fini net jusqu'à la passation, décision finie, qu'on est là, il est capable de prendre l'initiative, lever CELEA. Mais, je dis, laissez nous garder, le jugement pas qu'on fait. Les nous garder dossier dans coup d'appel. Les nous garder comportement côté Gary Koni sorti. Ça veut dire jodi à Gary Koni par instruction à ministre pour détruire tout indice qui est capable de permettre Jovenel Moïse jouer une véritable justice par rapport avec assassin qui assassiné nous. C'est pour ça matin nous faire conférence pour nous dénoncer et de fait n'a dénoncé ministre justice là, M. Carlos Ekil, qui voulait déchouquer, à déchouquer quand Jovenel Moïse. Deuxièmement, nous voulons dénoncer, tant qu'on était toujours petit, pouvoir créer ça. Conseil créer ça, ou qui là, ce pays a été venu à Vili. Je dis à nous constater, nous avons dit pays a. Et monsieur Kreisaou qui est dans la ville d'Akay. Là, il y a une faute côté, il y a la ville. Et c'est ça qui explique aujourd'hui. La Valas, famille La Valas, à la ville du pays devant la saison. Ce n'est pas Nessie Voltaire pour nous. C'est pour nous. C'est que tu as choisi Nessie Voltaire comme même Krey, aujourd'hui, à la ville d'Haïti. Nessie Voltaire. Comme architecte de formation. C'est un intellectuel, pas vrai. Ça veut dire, soit il va le faire, il connaît pour qui ça. Il n'y a pas vu le pays, il y a pour qui ça, il y a 20 pays. Et je vous dis, je m'a posé cette question. Lorsque je dénoncé Nessie Voltaire, tout le monde comprend, je n'ai pas raison dans ça, m'a dit. Alors, que moi-même, quand je parle avec vous, là, je lis réquisitoire commissaire gouvernement, voyez dans le cabinet d'instruction contre Nessie Voltaire. Pour drogue, pour blanchiment des avoirs, pour association de malfaiteurs. Je dis à Sénèque, ça nous prend, nous mettons dans le conseil Kray. Dans le conseil Kray, là, quand il y a là, estime avilissement local n'a pas assez, il prend ou libre dans l'avion. Le président qui voit les soldats, vient tuer seul papa de Saline. Mettez dans l'avion, montez États-Unis, allez New York à la ville du pays. Mais comprendre ça pas fait payer en pile moun rien parce que yo pas une dimension bataille qui était faite pour nous gagner pays ça. Mais voilà je dis mais ça ne se Voltaire pour vous. Pour y en a tant scandale fuit Jean parce que c'est yo tout qui rentre nos sec dans un schéma pour avili nous. Même Jean Jodia. Nèg ça qui relé et William Moutoa qui passait, qui fait visite en Haïti, et puis qu'on a fait plaidoyer pour faire la République dominicaine, voyez soldats, venir milier nous en Haïti. C'est dans ça que nous prenons là. Nous prenons un véritable complot avec petit pays. Et moi, je me pose cette question. Qui ça n'attend, femme et garçon, qui ça n'attend pour nous casser, pour nous lever, camper, contre soi-disant état d'urgence? Malvoyé, Bizango, Gary Koni mettait sous pays
pour empêcher véritable petit pays à soulever contre saleté, contre brigandage ça au cap. Ça veut dire, est-ce qu'elle n'a pas accepté pour Gary Conille faire tout le mandat là, que le pays a un état d'urgence avec la police pour les gens qui sont pays qui pas d'accord avec ça qu'a fait, pas de moyens pour soulever, pour ne pas révolter contre cette situation là. Nous sommes nous révoltés et c'est pour ça matin nous faisons conférence là. Non seulement dénoncer la famille Lavalas, dénoncer Carlos Sekin et dénoncer tout président kenyan qui vient là, cap manigancé de la précoce pour venir augmenter davantage en deux pays. Ça, le trafic d'organes, que même te dit, avant d'arriver kenyan, nous pas gagné tant de trafic d'organes ça en deux pays. Que je dis, maintenant ça nous tombe, et m'a demandé pays, est-ce que nous pas faire une concertation pour nous tous camper, pour nous dire non à un régime criminel sans foi ni loi ça, qui vient là non seulement pour détruire nous, mais pour affiler nous avant destruction. Merci un peu. Président Kenya a fait qu'on est quitté pour remplir le territoire. Où est-ce que il est bravo, qui est le territoire? Il m'a appelé le côté de TVA. Bon, si moun, si population kenyan ne prend pas, William Moutou pour mal propre, c'est nous qui avons mis 6 sur eux. C'est nous qui avons mis 6 sur William Moutou. Là, nous gardons le rapport. Nous te dit très bien. Moi-même, je t'ai déjà dit à policier nous. Il y a beaucoup de problèmes nous là. Essayons encore pour la ville. Il y a beaucoup de bêches pour les soldats kenyans. C'est ça, policier nous. Il y a travail. Et puis, la communauté internationale là pour faire des rapports pour bayo avantage eux-mêmes. Pour bayo police Kenya avantage au détour. Toute opération est capable là. C'est la police nationale avec la médaille qui fait. William Moutou pas dit pays, pas dit dans le pays. T'es go, deux, trois soldats qui ont le des bouquets. C'est la police nationale qui t'a le pris. Qui t'a retiré dans sa rue. Mettez William Moutou en défi, montrez qui côté. Yo, ouais. Que soldats kenyans prennent l'opération. Yo, c'est grâce à eux qui fait votre la babette. Non. C'est l'armée d'Haïti qui sauve la porte là. Et la presse te témoin, nous te ouais. La presse tellement qu'à témoin, ça me dit. Pour avion te descendre, pour policier ça, ou te même descendre, c'est des CPJ, soit. À la veille, soldats kenyans descendent, qui te même mettez chien dans la rue. Pour empêcher les gens de venir dans le périmètre là pour te sécuriser. Pour te sécuriser. Ça veut dire, dans le cas ça, même lorsque William Moutou est audacieux, mais audace là, ta bon limite. Ça veut dire, nous-mêmes, policiers nationaux, l'armée d'Haïti, à travail, et puis soldats kenyans, tout kenyans, force multinationale là, eux-mêmes, ils ont bénéficié du travail soldats. Ça veut dire, ce n'est pas soldats kenyan qui permet importe à fonctionner, c'est pas soldat kenyan qui prend aucun quartier. Au contraire, pendant soldat kenyan là, c'est pour dire il y a des territoires que nous pas de copains, il y a des territoires pas de livrer. C'est pendant soldat kenyan là que territoire ça est livré. Territoire graissé, c'est pendant soldat kenyan là. Territoire akaye kabaret, c'est pendant soldat kenyan là. Territoire quoi de bouquet gantier malpas douane, c'est avec la présence kenyan. Ça veut dire toute bataille qui mène là, c'est la police nationale qui mène le combat. Et puis je veux dire, il y a des soldats kenyans. Merci.